C'est que je me pose une nouvelle vidéo, les gars. Désolé. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer donc mode PVP de 1.7.10, les gars. Donc ce que j'utilise pour PVP. Hein. Donc ça se présente comme ça, hein, direct avant de commencer. Voilà, c'est comme ça. Je me mets en full écran, ça rend comme ça. Voilà. Donc je vais tout vous montrer, comment tout configurer, et puis voilà. Donc premièrement les gars, il faudra Forge 1.7.10, donc je vais pas vous montrer comment on montait. Les gars, si vous avez pas Forge, les gars, c'est un peu grave déjà. Non, je déconne, mais il y a plein de tutoriels pour l'installer. Ensuite, il vous faudra mon modpack, hein, que je mettrai tout dans la description. Enfin, je vous mettrai tout dans la description. Il faudra aussi WinRAR pour l'extraire si vous ne l'avez pas. Parce que je pense que pas mal de gens l'ont quand même. C'est un peu de la base. Ensuite, vous extrayez les fichiers. Donc en gros, en fait, je ne vais pas prendre le fichier. Vous prenez les mods, comme ça, genre ça. Donc là, vous faites copier-coller. Pas les deux points là. Vous prenez juste tous les mods là. Jusque là. Ok. What? Ok, ça complète. Ok, il a planté. Bon, c'est pas grave. Ah non, c'est bon, il a pas planté. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, je vais tout vous présenter, les gars. Donc, vous mettez ça dans votre dossier mode. Hein. Vous êtes dans Minecraft. Vous allez dans les modes. Et vous mettez tout en. Hein. Un peu rapidement et simplement. Ensuite, les gars, donc vous allez sur Minecraft. Donc, là, je suis sur le serveur EvenMC. C'est un. Oh putain, encore ça bug. Donc, c'est un serveur practice. Donc, français, les gars. Donc, franchement, assez bien. Donc, voilà. Et en serveur. En 710, bien sûr. Et. Donc, là, je vais vous présenter donc, comment tout configurer, les gars. Donc, premièrement, vous avez le CPS mode. Normalement, de base, vous l'avez en haut à gauche. Donc, vous faites slash CPS mode. Et vous pouvez le bouger. Hein, vous pouvez le mettre où vous voulez. Par exemple, si je le mets là. Hop là, il sera là, mon CPS mode. Moi, je préfère le mode, le mettre, pardon, en haut au milieu. Slash CPS mode. Moi, je le mets personnellement en haut au milieu. Hop, comme ça. Et donc, voilà, là, il est bien pour moi, perso. Ensuite, vous avez ça, les FPS. En faisant que c'est quand même cool d'avoir les FPS dans Minecraft. Donc, de base, vous l'aurez pas. Parce qu'en fait, c'est avec Optifine, les gars. Parce que je vous ai mis Optifine, c'est quand même la base. Comme ça, pour avoir des shaders et tout. Et donc, pour zoomer, donc, de base, il faudra vous mettre une touche. Bah je sais pas trop ce que c'est, hein. Surtout il n'y a pas de touche. Donc voilà, zoom, moi j'ai mis C personnellement. Pour zoomer, je sais pas si vous l'aurez vu, mais en tout cas quand j'ai installé Optifine et tout, genre je l'avais pas. Donc j'ai dû mettre. Et aussi pour faire apparaître FPS, bien sûr, vous allez dans Setting, hein, option, vidéo Setting. C'est en français, je sais pas. Enfin, genre Setting, enfin voilà quoi. Vous allez au même endroit que moi, vous cliquez sur Other. C'est en français, vous cliquez au même endroit. Et là. Show FPS, vous mettez de base il sera en off là comme ça et vous mettez en on down 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 hop et donc voilà donc là voilà c'est aussi what pour les dégâts chute ok what c'est bizarre ça bon pas grave c'est pas le sujet de la vidéo ensuite je vais vous montrer le particule mode les gars donc ça on a commencé slash particle comme ça non particle ouais voilà comme ça mode mod voilà comme ça et vous mettez le nombre donc le maximum c'est 100 les gars je vous montre en 100 c'est vraiment bien dégueulasse après moi je vous conseille de le mettre en 5 je vais juste vous montrer un peu en 100 donc après je vais faire exprès de me faire kill hein. Dans un petit pire de particules hop ok voilà ah, c'est très clairement dégueulasse oula par contre lui il y a un petit chic quand même. Il est pas très très très. Il est pas à 100% élite. Moi je vous conseille de le mettre à 5. Je vais vous montrer un peu ce que ça rend à 5. 5, voilà ce que ça rend. Alors go. Donc franchement ça rend bien.
Si vous jugez ça va faire quand même pas mal de particules. Si vous jugez je vous conseille de mettre à 3-4. Mais là, voilà, à 5, franchement, c'est stylé. Il y a pas mal de particules. Franchement, c'est agréable. Je joue avec des particules. Ensuite, en bas à gauche, les gars. Les gars en bas à gauche, vous avez donc pour ouvrir le stuff. La durabilité, surtout, c'est bien en combo, ça. Bon, voilà. Et donc, voie d'épée et tout, comme il y a la vie. Franchement, c'est bien ça pour être. Oula, par contre, je me fais violer. J'ai pas joué de la journée. Après, il faut que je me connecte. Je me fais tirer. Ton veille est pas activé, mec. Ok. Donc voilà, c'est un serveur français. Donc je vais montrer, passer au plus long. Ah, désolé, c'est le téléphone qui sonne. Passer au plus important, les gars. Ça va être le plus, enfin, plus important. Pas le plus important, mais c'est le plus long. Parce qu'il faut pas aller sur MC pour le edit, ça. En gros, en fait, je vous explique. Moi, je joue en ESDF, mais pas des gens jouent en ZQSD. Oh, ça, clairement, je le sais. Donc pour ça les gars, vous devez revoir Minecraft, et ensuite vous avez, comme dans, quand vous avez lancé Minecraft, vous aurez un défi, un truc Keystroke Mode qui se sera créé. Si vous l'avez pas, vous quittez Minecraft et vous le relancez, normalement vous l'aurez. Donc c'est keys.cfg, non pardon, faut pas le lancer comme ça, désolé. Il vous faut Notepad++ les gars, il faut Edit with Notepad++, bon désolé. Faut Edit with Notepad++ les gars avec Notepad++. Donc je l'avais pas les gars, je mettrai je pense, dans la description. Notepad++ les gars. Notepad++ voilà. Donc là comme ça il est là, je vais juste à copier-coller pour la description. Et donc vous arrivez sur cette page, une page comme ça les gars. Donc là, donc j'ai mis en le ZQSD. Donc pour la vidéo les gars, donc changez pas ça. En gros ça c'est les positions après. Et en gros ce qu'il faut faire les gars, quand vous configurez, en gros faut mettre un par un. Les gars. Putain ça. Ça merde. Bon, c'est pas grave. En fait faut taper genre slash keystroke. C'est comme ça, ouais. Ça. Et vous mettez, en gros vous genre mettez genre Z, le Z avec la pression. Et vous tapez reload. Voilà. Enfin en fait vous genre vous mettez, vous cliquez là. Je vais pas le faire et vous cliquez sur le truc reload et donc là voilà vous l'aurez et vous mettez un par un. Donc les gars je pense que je vais toucher à sa fin, je pense que le temps peut tout présenter et donc je vous dis à la prochaine, c'était Gozmala, salut.